Et Mitterrand, donc, dans ce conseil, ce sommet franco-africain, entérine la prise du pouvoir par, au Tchad par Hissène Habré, qui venait de conquérir le pouvoir par des moyens, disons, plutôt sanguinaires. Et je lui dis, mais alors c'était hors micro, hein, mais le Parti socialiste apprécie pas du tout cette façon de faire. Enfin, c'est tout à fait contraire de ce que pense le PS sur les droits de l'homme, ce que même la France pense. Et il me répond, ce que pense le PS sur ce sujet ne m'intéresse en aucune manière. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France. Point. Donc, Hissène Habré. Il faut dire que Omar Bongo, à la tribune de la conférence, avait expliqué qu'en Afrique, il y avait deux moyens de prendre le pouvoir, soit par les élections, soit par un coup d'État, que Hissène Habré avait réussi son coup d'État, donc il était le chef d'État légitime du Tchad. Voilà. Bon. On m'a toujours dit que la curiosité était un vilain défaut, mais donc les journalistes sont pétris de ce défaut.